Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Mystères lumineux. En méditant les mystères lumineux du rosaire à la lumière d'Odile, nous apprenons d'elle à répondre à l'appel de Dieu, à nous donner à lui avec enthousiasme, à le suivre avec patience et persévérance. Avec l'appui de la grâce, Odile a levé tous les obstacles qui se sont dressés devant elle, le plus grand étant l'opposition de son père. Ensuite, elle nous montre que les vrais héros ne sont pas avant tout ceux dont les livres d'histoire retiennent le nom, mais ceux qui, jour après jour, dans l'ordinaire du quotidien, accomplissent leur devoir d'État dans l'amour de Dieu et du prochain. Je crois en Dieu, le Père puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié et mort, a été enseveli et descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Gloire au Père qui nous a créés. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Gloire au Fils qui nous a rachetés. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Gloire au Saint-Esprit qui nous a sanctifiés. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Changez vos cœurs, croyez.
Premier mystère lumineux, le baptême de Jésus. Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. La lumière de la foi nous est communiquée au baptême, en même temps que l'espérance et la charité. Si les vertus théologales nous sont données sans aucun mérite de notre part, mais par les mérites suréminents de la passion de Jésus, elles demandent néanmoins que nous les fassions grandir par notre prière et nos bonnes œuvres. Une foi sans les œuvres est une foi morte, nous dit saint Jacques. C'est à son baptême, alors qu'elle approche de 14 ans, qu'Odile, aveugle de naissance, ouvre les yeux sur le monde pour la première fois. Elle reçoit le beau nom d'Odile, qui signifie « lumière de Dieu ». La tradition nous rapporte que lors de son baptême par saint Érard, le saint évêque fait la prière suivante. Au nom de Jésus-Christ, que les yeux de ton corps s'ouvrent comme sont ouverts ceux de ton âme. Plus encore que la vue du corps, Odile reçoit la vue de l'âme, celle qui permet de reconnaître en Jésus le seul sauveur des hommes et de le suivre sur tous ses chemins, malgré les oppositions du monde, de la chair et du démon. Par Odile, lumière de Dieu, demandons la grâce de nous ouvrir au salut et d'annoncer Jésus-Christ par toute notre vie. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Ô mon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, conduisez au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de votre miséricorde. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés reposent en paix. Amen. Deuxième mystère lumineux, les noces de Cana. Marie n'a dit que peu de choses qui nous ont été rapportées dans les évangiles. Mais son message, à notre intention, nous est tout de même transmis dans toute sa teneur. Quoi que Jésus vous dise, faites-le. Et pour appuyer cette recommandation et nous engager à la suivre, elle nous donne l'exemple d'une fidélité sans faille à accomplir la volonté de Dieu. À l'Annonciation, elle se présente au monde comme l'humble servante du Seigneur. Au cours de sa vie publique, Jésus mettra le doigt sur ceux qui construisent son mérite et sa gloire présente. « Ma mère et mes frères, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. » Le message de saint Odile tient dans les mêmes mots. La préoccupation de toute sa vie est de faire rayonner l'Évangile, de le faire connaître, de le vivre elle-même pour amener son prochain à imiter son exemple. Comme Marie, elle ne fait pas que dire aux autres de suivre ce qu'enseigne Jésus, mais elle en applique elle-même tout le programme et plus que tout autre. Elle devient un Évangile vivant. Comme les vierges sages de la parabole, elle veille à ce que sa lampe soit allumée et qu'elle dispose de suffisamment d'huile pour que la flamme ne s'éteigne pas et même parvienne à éclairer son entourage. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. C'est ainsi qu'est placé son monastère sur le haut de la montagne, à 760 mètres d'altitude, afin qu'il rayonne l'Évangile dans tout le pays. Comme Marie, et en bénédictine fidèle à la règle du fondateur de l'ordre, Odile est sans cesse à écouter la parole de Dieu et à la mettre en pratique. Elle est de la famille de Jésus, car, comme le dit le Seigneur, « Quiconque fait la volonté de mon Père qui est aux cieux, c'est lui mon frère, ma sœur, ma mère. » Par Odile, demandons la grâce d'être comme elle, comme Marie, sobre dans nos paroles,
mais éloquent dans nos actes. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Ô mon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, conduisez au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de votre miséricorde.
que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés reposent en paix. Troisième mystère lumineux, l'annonce du royaume de Dieu. Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Sur la montagne, il proclame les béatitudes. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Odile a vécu selon l'esprit des béatitudes. Par toute sa vie, elle a témoigné de l'Évangile, s'est fait le témoin de Jésus-Christ. Elle a vécu dans la contemplation, mais aussi dans l'offrande d'elle-même aux pauvres. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Elle a pu le vérifier par elle-même. À plusieurs reprises, le Seigneur pourvoit aux besoins du couvent. Un jour, devant ses sœurs, elle guérit un lépreux exténué par la montée, qui s'effondre aux portes du monastère en le prenant dans ses bras. Une autre fois, elle rencontre un aveugle sur le chemin entre Hohenburg et Niedermünster. Il fait chaud, elle veut lui donner à boire, mais il n'y a pas d'eau. Après une prière fervente, elle frappe contre le rocher duquel s'échappe miraculeusement un filet d'eau. De ses mains, elle fait une coupe et en donne à boire à l'aveugle qui se rétablit. Elle lui lave les yeux avec cette eau et fait une prière. Il est guéri de sa cécité. La charité d'Odile s'exerce aussi bien dans les œuvres de miséricorde spirituelle que corporelle. Par son exemple, elle nous montre que les deux sont indissociables. Il faut soulager les corps afin que les âmes soient en mesure de recevoir le message de l'Évangile. Il faut soigner les âmes afin de les disposer à recevoir les dons de Dieu. Avec Odile, fontaine de miséricorde, demandons la grâce de vivre joyeusement les béatitudes. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.
Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Ô mon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, conduisez au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de votre miséricorde. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés reposent en paix. Amen. Quatrième mystère lumineux, la transfiguration de Jésus. Il fut transfiguré devant eux. Son visage resplendit comme le soleil et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Puis Jésus retrouva son aspect normal. Les apôtres voulurent construire 3 tentes, une pour lui, une pour Moïse et une pour Élie. Mais la vision disparut, et ils redescendirent de la montagne. Comme les apôtres, nous aimerions rester sur le Tabor et ne pas en redescendre. Mais il n'est pas dans le dessein de Dieu que nous nous y installions. Il nous faut en redescendre et retrouver notre ordinaire, parfois plus qu'ennuyeux, dans lequel nous sommes appelés à nous sanctifier. Odile a renoncé à une vie de princesse pour se consacrer dans la pauvreté, à la louange divine et aux soins des malades. C'est caché sous les voiles de l'hostie et derrière le visage des pauvres, des malades même les plus repoussants, qu'elle cherchait et trouvait Dieu. Et c'est là, et nulle part ailleurs, que Jésus l'attendait
et se révélait à elle. Toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. » Avec Odile, demandons la grâce de nous faire le prochain de toute âme. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Ô mon Jésus, pardonnez-nous nos péchés,
Préservez-nous du feu de l'enfer, et conduisez au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de votre miséricorde. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés reposent en paix. Cinquième mystère lumineux, l'institution de l'Eucharistie. Moi, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Le pain que je donnerai, c'est ma chair, donnée pour la vie du monde. En vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. La vie divine nous est communiquée par Jésus. Elle est le don de son amour infini dans sa passion, dont l'Eucharistie est le mémorial. L'Eucharistie est le don des dons de l'amour du Seigneur. Rien n'est plus grand que l'Eucharistie, rien n'est plus digne de tout notre amour, de nos plus ferventes actions de grâce. Sans l'Eucharistie, il n'y a pas d'Église. Aussi, le premier souci d'Odile est de faire construire une chapelle pour son couvent de Hohenbourg, pour qu'y soit célébrée la Sainte Messe, qu'y soient dispensés les sacrements, qu'y soit proclamée la parole de Dieu. Aujourd'hui encore, Odile continue d'inviter les pèlerins à se tourner vers celui qui se fait notre viatique. Sur l'ostensoir, devant lequel se prosternent les adorateurs, qui se relaie jour et nuit depuis 1931, nous voyons Odile, dont le nom signifie « fille de lumière », mais aussi « soleil de Dieu ». Elle pointe son doigt vers l'hostie consacrée, en laquelle Jésus est réellement présent. Elle soutient et accompagne la prière des adorateurs, qui se succèdent devant Jésus Eucharistie, pour l'adorer et le prier, au nom et pour tout le diocèse d'Alsace. En pointant son doigt vers Jésus Eucharistie, elle nous rappelle que Jésus est la seule et unique source du salut. Avec Odile, en Église, entrons dans l'adoration de Jésus, qui se rend réellement présent dans l'Eucharistie, pour lui rendre les actions de grâce qui lui sont dues, de par ce qu'il est, notre Seigneur, notre Dieu, notre Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous.
Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Ô mon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, conduisez au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de votre miséricorde. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés reposent en paix. Seigneur, ayez pitié de nous. Seigneur, ayez pitié de nous. Jésus-Christ, ayez pitié de nous. Jésus-Christ, ayez pitié de nous. Seigneur, ayez pitié de nous. Seigneur, ayez pitié de nous. Jésus-Christ, écoutez-nous. Jésus-Christ, écoutez-nous. Jésus-Christ, exaucez-nous. Jésus-Christ, exaucez-nous. Dieu le Père, Créateur du ciel, ayez pitié de nous. Fils de Dieu, Rédempteur du monde, ayez pitié de nous. Dieu le Saint-Esprit, ayez pitié de nous. Trinité Sainte, qui êtes un seul Dieu, ayez pitié de nous. Sainte Marie, Reine des Vierges, priez pour nous. Sainte Odile, qui êtes née aveugle et avait reçu la vue avec la grâce du baptême, priez pour nous. Sainte Odile, enfant du miracle, priez pour nous. Sainte Odile, qui avait souffert de rudes épreuves dès votre naissance, priez pour nous. Sainte Odile, qui avait fait dès votre enfance de grands progrès dans la vertu, priez pour nous. Sainte Odile, qui avait quitté le monde pour vous consacrer à Dieu, priez pour nous. Sainte Odile, qui avait avant tout recherché le royaume de Dieu, priez pour nous.
Sainte Odile qui avait fondé un célèbre couvent de vierges. Priez pour nous. Sainte Odile, modèle de toutes les vertus chrétiennes. Priez pour nous. Sainte Odile, mère des pauvres. Priez pour nous. Sainte Odile, consolatrice de tant de malades. Priez pour nous. Sainte Odile, refuge des malheureux. Priez pour nous. Sainte Odile qui avait répandu tant de bienfaits. Priez pour nous. Sainte Odile qui aviez le don de toucher les cœurs. Priez pour nous. Sainte Odile qui avait délivré l'âme de votre Père des flammes du purgatoire. Priez pour nous. Sainte Odile par qui Dieu a opéré plusieurs miracles. Priez pour nous. Sainte Odile puissante protectrice de l'Alsace. Priez pour nous. Sainte Odile modèle des personnes consacrées à Dieu. Priez pour nous. Sainte Odile directrice des gens du monde. Sainte Odile, refuge des peuples dans les calamités publiques. Sainte Odile, miroir des vierges. Sainte Odile, trésor des grâces. Sainte Odile qui avait laissé à l'Alsace le souvenir de vos vertus comme un excellent héritage. Sainte Odile qui nous protégeait du haut du ciel où vous êtes placés. Sainte Odile, à jamais bienheureuse dans le sein de Dieu. Priez pour nous. Soyez-nous propices. Pardonnez-nous, Seigneur. De tout mal. Délivrez-nous, Seigneur. De votre colère. Délivrez-nous, Seigneur. De l'esprit d'impureté. Délivrez-nous, Seigneur. De la mort éternelle. Délivrez-nous, Seigneur. Du mépris de vos divines inspirations. Délivrez-nous, Seigneur. Par le mystère de votre sainte incarnation, délivrez-nous, Seigneur. Par votre naissance, délivrez-nous, Seigneur. Par votre enfance, délivrez-nous, Seigneur. Par votre sainte vie, délivrez-nous, Seigneur. Par vos travaux, délivrez-nous, Seigneur. Par vos souffrances et votre agonie, délivrez-nous, Seigneur. Par votre sainte croix, délivrez-nous, Seigneur. Par votre mort et votre sépulture, délivrez-nous, Seigneur. Par votre résurrection, délivrez-nous, Seigneur. Par votre ascension, délivrez-nous, Seigneur. Par vos joies, délivrez-nous, Seigneur. Par votre gloire, délivrez-nous, Seigneur. Agneau de Dieu qui effaçait les péchés du monde, pardonnez-nous, Seigneur. Agneau de Dieu qui effaçait les péchés du monde, exaucez-nous, Seigneur. Agneau de Dieu qui effaçait les péchés du monde, ayez pitié de nous. Jésus-Christ, écoutez-nous. Jésus-Christ, écoutez-nous. Jésus-Christ, exaucez-nous. Jésus-Christ, exaucez-nous. Priez pour nous, Sainte Odile, afin que nous soyons rendus dignes des promesses de Jésus-Christ. Prions, ô Dieu, la vraie lumière qui, par un miracle de votre toute-puissance, avait rendu la vie à la bienheureuse Vierge Odile qui était née aveugle. Faites, nous vous en supplions, que d'après son exemple et par son intercession, détournant nos yeux de la vanité du monde, nous méritions de vous contempler face à face dans la gloire céleste pour les siècles des siècles. Amen. Sainte Odile, dans notre nuit, aidez-moi et priez pour moi. Éveillez en moi la lumière, celle des yeux, celle du cœur. Princesse de notre terre, vous que le baptême a guéri, sainte devant le Seigneur, présentez-lui notre prière. Ouvrez notre regard sur la vie, nous qui vivons dans les ténèbres, vous que le Christ a relevé, pour nous mener vers sa lumière. Sainte Odile, ouvrez nos yeux, aujourd'hui sur notre terre. Venez aider autour de moi ceux qui cherchent la lumière. Princesse des malvoyants, aidez-moi et priez avec moi. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.